Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes dans l'équipe de planification et de prévention, ainsi que les travailleurs de première ligne qui travaillent sans arrêt pour nous garder en sécurité depuis le début de la pandémie. C'est vraiment un honneur de voir tout ce que le Manitoba peut offrir quand on travaille tous ensemble pour rester en sécurité. Je veux aussi personnellement remercier le docteur Reimer et toute l'équipe pour la planification complète qui a été compilée pendant ces temps sans précédent. Comme vous pouvez tous le comprendre, on n'a pas de guide qui va d'une étape à l'autre, mais grâce aux efforts, aux options étudiées partout au Canada et dans le monde, cette équipe reconnaît qu'il y a certains éléments comme l'approvisionnement de vaccins est hors de notre contrôle. J'aimerais aussi dire qu'on essaie de fournir autant de renseignements que possible et dès que possible. Comme vous pouvez comprendre, c'est la plus grande campagne de vaccination de l'histoire, pas seulement de l'histoire du Manitoba, mais du monde. Et il est impossible de prévoir tous les scénarios, mais on essaie de prévoir et de planifier en conséquence de ce qui se passe. Peut-être que on fournit trop de renseignements, mais quand les renseignements changent tous les jours, et en termes d'approvisionnement de vaccins d'heure en heure, on essaie d'avoir toutes les réponses avant de fournir des renseignements. On sait qu'on n'arrivera jamais à la perfection, mais on va essayer de fournir autant de renseignements que possible, dès que possible, tout en reconnaissant, bien évidemment, que les choses changent. Et donc, maintenant, j'aimerais remercier le docteur Reimer et ses collègues pour leur professionnalisme, leur expertise et leur envie de mettre les Manitobains et leur santé d'abord. Merci, Madame la Ministre. Bonjour. Aujourd'hui, je vais donner les dernières nouvelles quant à la vaccination de tous les Manitobains. Donc, je vais montrer quelques diapositives et une version complète sera disponible sur le site web du vaccin. Donc on va parler de manière générale et ensuite on prendra des questions. Donc si on va à la première diapositive. Donc ça c'est pour un petit peu de contexte. Ces chiffres changent tous les jours, mais je veux montrer aux Manitobains où on en est en termes de protection complète par rapport à la vaccination avec deux doses. Aujourd'hui, nous sommes troisième au pays avec le nombre de personnes qui ont deux doses. Ça, c'est notre plan. Chaque injection dans les supersites cette semaine, c'est une deuxième injection. Et donc, on s'attend à ce que ces chiffres augmentent. Comme vous le savez tous, on a un approvisionnement très limité de vaccins. Mais une fois que ce sera résolu et qu'on commencera à voir plus de vaccins arriver, que ce soit Pfizer, Moderna ou d'autres vaccins, on comprend que les Manitobains voudront savoir qui va se faire vacciner par la suite. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Diapositive suivante. Donc, ça, c'est un aperçu de la prise de décision. Le comité national donne des lignes directrices au niveau du pays. Ensuite, on prend ces recommandations, on les examine et on les évalue par rapport au Manitoba. On s'appuie sur la table ronde d'experts du Manitoba, qui comprend 27 médecins, y compris moi-même, des pharmaciens, des infirmières. On travaille avec cette équipe et des infirmières de la santé publique, des épidémiologistes, pour voir la situation au Manitoba et prendre des décisions en fonction des situations locales et des lignes directrices du comité national. Une fois ces décisions prises, les équipes mettent en place la vaccination pour les Manitobains. Diapositive suivante. Voici, cette diapositive vous montre là où on en est à l'heure actuelle. C'est la première étape de l'approche du comité national qui suggérait d'examiner les communautés, les lieux de vie en communauté, les travailleurs des soins de la santé, les collectivités autochtones et les personnes âgées de plus de 70 ans. Donc ça, c'est le groupe qu'on a annoncé à l'origine en décembre. On a progressé, mais il faut encore immuniser des personnes dans cette première étape. Diapo suivante. Ça, c'est la deuxième étape, telle que recommandée par le comité national.
C'est là où on va aller quand on aura plus de vaccins disponibles. En fonction des projections actuelles, on ne pense pas pouvoir commencer la deuxième phase avant avril. Mais tout va dépendre bien sûr de l'approvisionnement. Donc ça comprend tous les travailleurs de la santé, tous les résidents et personnels de lieux de vie en congrégation et les travailleurs essentiels. On n'a pas encore défini, et le comité national n'a pas encore défini ce qu'est un travailleur essentiel, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Diapo suivante. Donc ça nous amène au plan du Manitoba. Comment on suit les lignes directrices du comité national, qui est en danger, qui doit être immunisé le plus rapidement possible. Et donc on a quatre grandes catégories, chacune divisée en quatre étapes. Donc vous pouvez voir où on va aller par rapport à cette liste de priorités. Donc ça, c'est quand l'étape 1, c'est quand on a commencé, quand les premiers vaccins sont arrivés. On a distribué des doses initiales à des partenaires des Premières Nations, on a commencé à immuniser les travailleurs de la santé et les personnes dans des foyers de soins. On est bien avancé dans cette première étape. À la deuxième étape, on va avoir plus de travailleurs de la santé. On va utiliser un critère de l'âge et ensuite, plus tard, on va supprimer cette limite. Et on va aussi avoir des situations de vie en communauté. Une fois que les foyers de soins auront fini d'être immunisés, nos équipes vont aller dans d'autres installations de vie en communauté. Et donc, par exemple, les abris, les prisons, etc. On continuera de donner des doses aux partenaires des Premières Nations pour qu'ils puissent prioriser les vaccinations. Et c'est là qu'on va commencer à immuniser les Manitobains, en commençant par les plus âgés, parce que c'est eux qui sont le plus à risque. Et comme vous pouvez le voir, plus on progresse, moins il y a de critères au niveau des étapes 3 et 4. Comme on l'a dit, il va y avoir un vaccin pour toutes les personnes qui veulent se faire vacciner au Manitoba. Mais en fonction de votre situation, il faudra probablement que vous soyez patient. Et on continue de voir comment intégrer les travailleurs de la santé dans notre plan. Et ça, on va voir ça, tandis qu'on va recevoir plus de vaccins ou que d'autres vaccins vont être autorisés au Canada. On va aussi mettre très bientôt en ligne une calculatrice pour que les gens puissent voir où ils sont dans la liste d'attente. Diapo suivante. On sait qu'il va y avoir d'autres vaccins qui vont arriver. Et Canada a des ententes par rapport à sept vaccins différents, pas seulement les deux qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc peut-être que vous avez entendu parler d'AstraZeneca, qui est le plus proche d'être prêt. S'il est approuvé, ça va nous permettre d'immuniser des personnes. Mais à l'heure actuelle, on ne le compte pas. Donc, comme on l'a dit par le passé, le fait que les vaccins actuels doivent être entreposés à des températures froides ou très froides, ça crée des défis très importants. Les vaccins qui vont arriver bientôt peuvent être entreposés dans les pharmacies, dans les bureaux, dans les cabinets des médecins, dans des frigos tout simplement. Donc, on travaille déjà avec ces partenaires pour planifier et voir à quoi ça va à ressembler, pour que ce soit une réussite. Et on aura plus de nouvelles dans les jours à venir. Mais voici comment on va pouvoir distribuer des centaines de milliers de doses. Et ça, c'est très important. Diapo suivante. Les deux diapositives suivantes montrent deux scénarios différents par rapport à la progression de la campagne de vaccination au cours des prochains mois. La première diapositive, c'est par rapport aux vaccins qui sont acceptés à l'heure actuelle. Et on assume qu'on va immuniser 70% des adultes du Manitoba d'ici décembre. Si on regarde la deuxième diapositive, c'est un scénario où il y a plus de doses. Donc ça comprend les vaccins qui ont été approuvés, mais aussi ceux qui n'ont pas encore été approuvés. S'ils sont approuvés, on pense qu'on pourra recevoir 700 000 doses de plus et donc on pourra immuniser le même nombre de personnes, 70% des adultes, d'ici la fin août. Donc ça, c'est la fin de la présentation, mais je vais aussi donner quelques chiffres par rapport à la vaccination actuelle.
À ce jour, on a 33 361 doses de vaccins qui ont été administrées, notamment 23 187 premières doses et 5 087 deuxièmes doses. On va pouvoir do donner toutes les premières doses pour les résidents de foyers personnels cette semaine et j'aurai plus de détails bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que à la fin de la journée lundi, on avait un très grand nombre de résidents qui avaient été immunisés. Il y a encore quelques rendez-vous disponibles à Thompson la semaine prochaine et les travailleurs admissibles peuvent appeler pour prendre rendez-vous. Notre équipe travaille aussi dur pour faire face au délai du vaccin Pfizer, mais à l'heure actuelle, on attend plus de renseignements du gouvernement fédéral. On espère avoir des réponses pour les Manitobains par rapport à ce qu'on va faire d'ici vendredi. Ça va nous aider à déterminer combien de rendez-vous on va devoir reporter. Si vous avez un rendez-vous à l'heure actuelle, gardez-le et continuez de regarder les bulletins sur le site web et sur Twitter. On vous laissera savoir si ça change. Je veux fournir des nouvelles toutes les semaines par rapport à l'immunisation et donner des renseignements médicaux tant que je peux. À l'heure actuelle, on a eu 18 cas de problèmes après la vaccination. Par rapport au nombre de doses données, on est vraiment dans la normale et c'est ce qu'on voit partout au Canada. Donc il y a des enquêtes de la santé publique à ce sujet et plus il y a de renseignements, plus on vous en donnera. Au niveau du recrutement maintenant, je peux vous dire que on a 1152 personnes qui ont été embauchées à Winnipeg, à Prairie Mountain, entre les lacs et dans la région sanitaire du Nord. C'est en plus de 832 personnes qui ont été assignées aux efforts de vaccination, donc pour un total de 2007 employés qui sont pour la vaccination. Et je vais rendre la parole à la ministre pour d'autres commentaires. Merci beaucoup, Dr. Reimer. Merci à vous et à votre équipe pour le travail incroyable que vous faites pour vous assurer que on vaccine autant de Manitobains qu'on peut. Donc merci beaucoup pour ça. Je sais que tout le monde a hâte de savoir où ils sont sur la liste de priorités et ça dépend bien sûr des arrivées de vaccins du gouvernement fédéral. Comme l'a dit le docteur Reimer, on espère recevoir plus de renseignements vendredi. On sait aussi qu'il va y avoir des questions sur la liste des priorités, mais sachez que les experts de la santé, c'est eux qui s'occupent de cette liste. Et ils se fondent sur la recherche, sur les sciences et en consultation avec des collègues partout au pays. Donc je les remercie pour le travail incroyable qu'ils font pour qu'on puisse sortir cette liste aujourd'hui. Merci. Et maintenant, on est prêt à répondre aux questions. Merci. Un rappel aux journalistes en ligne. Vous avez une question préliminaire et une question de suivi. Pour commencer, du Brandonson, Michel. Bonjour. Ma première question est pour la ministre Stephenson. Je me demande comment vont les conversations avec la Manitoba Métis Federation au niveau de la collecte des données, des voies données pour la distribution des vaccins. Merci beaucoup pour cette question, Michel. J'apprécie. J'ai eu l'occasion, en fait, la semaine dernière, de rencontrer le ministre Chartrand. On a eu une discussion très productive et je sais que nos représentants ont des discussions en arrière-scène, et voir comment on peut travailler ensemble, collaborer pour une approche. Et ça, c'est très important pour moi. Et on est engagé à travailler avec la Manitoba Métis Federation à ce sujet. Merci. Ma deuxième question est pour le docteur Reimer. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Par exemple, quelqu'un qui habite dans la région d'Entre-les-Lacs, qui a entre 45 et 55 ans, qui n'est pas travailleur de santé, qui n'est pas travailleur essentiel. Quand est-ce que cette personne devrait s'attendre à être vaccinée? Et ensuite, pour les gens qui sont assez loin des supersites, on est vraiment content de pouvoir publier ces listes de priorités
Et tout dépend vraiment, bien sûr, des approvisionnements qu'on reçoit du gouvernement fédéral. Mais je sais que les Manitobains veulent être admissibles. Ils ont hâte. J'ai parlé à ma propre grand-mère. Elle a 93 ans, elle vit dans un foyer de centre. Et elle a hâte. Donc je pense qu'elle est contente de voir cette liste aujourd'hui. Donc au Manitoba, on veut vacciner tout le monde. C'est le but, c'est que tous les Manitobains aient accès au vaccin, que vous habitiez en ville, dans un endroit isolé. On va travailler dur pour qu'il y ait des sites où tous les Manitobains peuvent se rendre, que ce soit à une distance raisonnable de chez eux, dans un endroit qui est sécuritaire et confortable. Donc c'est quelque chose sur laquelle on travaille de manière très active. On va ouvrir nos super centres dans deux autres régions sanitaires. On travaille là-dessus à l'heure actuelle. Et on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour vacciner autant de monde que possible et aussi vite que possible. Comme vous l'avez mentionné, la personne qui a 50 ans, qui habite à Brandon, ou une personne âgée qui vit dans une région rurale, peuvent voir là où elles sont sur la liste. Et dès que le vaccin sera arrivé au Manitoba, il sera distribué. Du Winnipeg Sun, Scott. Bonjour. Dr. Reimer, vous avez parlé un petit peu des travailleurs essentiels. La province a une liste de travailleurs essentiels au niveau de la pandémie par rapport à ce qui peut être ouvert, donc les enseignants, les camionneurs. Pourquoi ne pas utiliser cette liste pour vacciner ces personnes-là qui travaillent dans des emplois à risque plus élevés ou qui sont essentiels au fonctionnement de la communauté? Il y a tellement de Manitobains qui sont essentiels. Toutes les vies sont importantes dans la province et j'aimerais pouvoir offrir le vaccin à tous les Manitobains. Offrir l'opportunité de se faire vacciner aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est que les décisions sont en fonction des données scientifiques qu'on a devant nous. Quand on a regardé les recherches, on a vu que une approche par l'âge, c'était le meilleur moyen d'éviter les pires scénarios au niveau sanitaire par rapport à la COVID. Donc on va continuer à étudier la situation des travailleurs essentiels. Mais on veut vraiment que les gens qui sont le plus à risque aient accès au vaccin en premier, en se fondant sur les données scientifiques qu'on a pour prendre nos décisions. Merci. Inaudible. Au niveau des personnes immunocompromises, on dirait qu'elles tombent dans la catégorie général du public. Ce serait pas plus logique que ces personnes soient mises plus en priorité que des gens qui ont la vingtaine ou la trentaine en termes de vaccination? Il y a tellement de maladies qui peuvent mettre les gens à risque plus élevé par rapport à la COVID. La santé de tout le monde est unique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les recherches qui ont été faites, les études qui ont été faites. On a analysé quelle approche a les résultats qui donnent le plus. Et donc, en fonction de ça, c'est en fonction de l'âge. Donc oui, on a les personnes qui sont âgées, mais aussi les personnes qui ont des maladies sous-jacentes. Donc on veut commencer avec cette approche en fonction de l'âge. Et on va continuer à suivre la science jusqu'à ce que tous les Manitobains puissent être admissibles. De CBC Manitoba, Bart. Dr. Reimer. C'est Bart ici. Une clarification, vous avez dit dans la présentation et plutôt aussi, que le plus tôt pour commencer, c'est au mois d'avril. Mais dans votre scénario, ça dit que les communautés de congrégation commenceront en février et les personnes âgées sont en mars.
Les tableaux, c'est les meilleures estimations. On regarde les chiffres tous les jours et ils changent tous les jours. Ce qu'on nous a dit aujourd'hui, si on reçoit toutes les doses qui ont déjà été allouées au Manitoba, on pourrait commencer à vacciner les personnes âgées du Manitoba en mars. Mais on sait qu'on dépend des approvisionnements qu'on reçoit de Pfizer et de Moderna, et donc les choses peuvent changer. Une des choses qu'on fait avec notre équipe, c'est qu'on va dans ces endroits de vie en congrégation. On utilise ces équipes pour aller dans tous les foyers de soins personnels. Mais quand on aura fini ça, on veut que ces équipes continuent d'être actives et qu'elles se rendent dans des endroits les plus à risque le plus vite possible. Et donc oui, on va envoyer des équipes à partir de février dans ces endroits-là. Merci beaucoup, j'apprécie l'explication. Madame la ministre, c'est votre première apparition et donc j'aimerais vous demander, de manière générale, laissez-moi reposer la question. Compte tenu de ce qui s'est passé par le passé au Manitoba, en septembre, les problèmes avec les tests, en octobre avec le traçage, pourquoi est-ce que les Manitobains devraient avoir confiance par rapport au programme de vaccination? Merci Bart, c'est une très bonne question. Et certainement, on a une équipe extraordinaire d'experts avec ce groupe de travail sur le vaccin. Et encore une fois, j'aimerais les remercier pour le travail incroyable qu'ils font. Et les Manitobains peuvent avoir confiance en cette équipe. J'en ai rencontré beaucoup. J'ai assisté à plusieurs réunions virtuelles avec eux. Et j'ai pu rencontrer ces experts. Et donc, je dis aux Manitobains qu'on est en de très bonnes mains avec cette équipe. De la presse canadienne, Steve. Docteur Reimer, j'aimerais faire un suivi par rapport à ce qui a été posé plus tôt comme question. L'approche par âge, ça permet de capturer toutes les conditions sous-jacentes. Mais il y a aussi des gens qui ont des conditions sous-jacentes et qui sont plus jeunes. Et donc cette approche par l'âge, est-ce qu'elle est ancrée ou est-ce que ça pourrait évoluer, changer, peut-être être ajustée pour prendre en considération les personnes qui sont dans un groupe à risque élevé mais qui sont plus jeunes? Il n'y a pas d'approche qui va pouvoir réfléchir l'ordre exact des risques encourus par les Manitobains. Mais quand on regarde les recherches qui ont été faites, ça montre que l'approche par l'âge, ça touche la plus grande proportion. Donc ça ne va pas être parfait pour chaque personne, mais ça nous montre que c'est le moyen d'avoir le plus grand pourcentage de la population à risque. Mais rien n'est gravé dans la pierre. La science évolue, les recherches évoluent. L'approvisionnement évolue, donc on évolue ça, on examine ça de manière quotidienne et on est prêt à changer les choses si on reçoit des renseignements. C'est une pandémie mondiale et le monde entier essaie de voir à quoi s'attendre par rapport à ces vaccins. Donc on veut apprendre de nos collègues dans d'autres provinces, dans d'autres pays et appliquer ce qui a été appris ici au Manitoba. Et pour les Manitobains qui vont regarder les tableaux par rapport à la population générale, quand est-ce que vous pensez que les Manitobains de plus de 60 ans pourraient se faire vacciner? Donc ça, ce sont des estimations à l'heure actuelle. On espère, par rapport à ce qu'on entend du gouvernement fédéral, des fabricants, que les gens de plus de 60 ans pourront être inclus dans la vaccination entre avril et mai. C'est nos meilleures estimations aujourd'hui. Si on a une augmentation des approvisionnements, ce sera peut-être plus tôt en avril. Si l'approvisionnement continue d'être interrompu, ça pourrait être plus tard, peut-être au début de l'été. Je reste optimiste qu'on va avoir de plus en plus de vaccins, beaucoup plus en mars, et qu'on pourra vacciner plus de personnes, par exemple de plus de 80 ans en mars, et ensuite descendre en âge à partir de là. De CTV Winnipeg,
Michel. Dr. Reimer, en termes de travailleurs essentiels, le Manitoba est encore en train de définir les professions qui sont incluses. Est-ce que ça va être une liste qui va être ajoutée? Est-ce que ça va être ajouté au plan? Je dirais qu'aucune décision n'a été prise quant à savoir si les travailleurs essentiels vont être inclus, ni quelles catégories, quelles professions vont être incluses. On a encore du temps avant de pouvoir vacciner ce genre de groupe. Et donc, on va utiliser ce temps pour prendre des décisions éclairées. On regarde la science qui évolue, on regarde l'épidémiologie locale, on va parler à des intervenants clés, et ensuite on prendra ces décisions dans les mois à venir. Je suis aussi curieuse quand la vaccination va être offerte à la population en général. Comment est-ce que les gens vont prendre rendez-vous? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le gouvernement qui donne les renseignements au centre d'appel. Comment est-ce que ça va changer quand ça va être la population générale? Je n'ai pas le plan de communication général. On va continuer d'utiliser les centres d'appel. On espère avoir aussi un système en ligne pour les rendez-vous. Mais savoir comment ça va être communiqué, je vais demander à l'équipe des communications de vous fournir la réponse. De City News, Stéphanie. Bonjour, je me demande si vous pourriez clarifier ce que les personnes dans des situations à risque modéré et élevé, ce que ça signifie. On a regardé quatre facteurs, quant à savoir les endroits de risque, l'âge des personnes qui vivent dans ces établissements, leur statut au niveau de la santé et au niveau cognitif, l'aide dont ils ont besoin dans la vie quotidienne. On a regardé la structure de l'établissement et la facilité de respecter les lignes directrices dans cet établissement. Par exemple, quand les gens ont des chambres à coucher partagées ou des cuisines partagées. Et ensuite, on a regardé les revenus des résidents. Donc, en utilisant ces quatre facteurs, on a créé un système de calcul. Avec chaque établissement au Manitoba, voir où chaque établissement tombe. Et on va avoir une liste complète de tous les établissements au Manitoba en fonction de leur risque dans ces quatre catégories. Et on va commencer la semaine du 1er février avec le groupe le plus à risque. Donc ce sont les patients à long terme dans les hôpitaux. Et ensuite, dans certains établissements de logement appuyé. Est-ce que vous pourriez me dire si les élèves infirmiers et les élèves en soins de santé vont tomber dans la catégorie des travailleurs de santé? Généralement, on définit quelqu'un qui fait partie des travailleurs de santé, c'est quelqu'un qui travaille dans un établissement. Donc si c'est un étudiant qui fait un stage et qui traite des patients tous les jours et qui fournit des soins à des patients atteints de Covid, ils vont tomber dans la même catégorie que le reste des employés. Si on parle d'étudiants qui sont encore en classe, qui ne font pas partie des équipes de soins, ils tomberaient dans la population générale. De CHVN, Taylor. Bonjour. Compte tenu que cette liste est en fonction de l'âge, parce que les personnes âgées restent chez eux, chez elles, les personnes plus jeunes sortent pour aller faire les magasins, travailler, on a eu des discussions très difficiles. On sait que les populations plus jeunes ont plus tendance à sortir, à socialiser, à participer à des activités et au final, on a regardé qui est le plus vulnérable, qui va avoir les résultats les pires. Et c'est à eux qu'on veut donner le premier accès, pour qu'ils soient gardés le plus en sécurité possible. Et on a vu des gens gagner la loterie du vaccin en restant près de sites. Et qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça?
si on a plus de vaccins encore, je suis pas au courant, mais on a des protocoles très clairs en place pour le personnel de vaccination. Quant au nombre de vaccins qui doit être préparé à l'avance, par exemple pour Pfizer, on a 6 doses en général d'une fiole et on demande à tous les immunisateurs de n'utiliser qu'une seule fiole à la fois pour qu'il ne reste pas de vaccin à la fin de la journée, même si des gens ne viennent pas à leur rendez-vous. Donc on peut les garder au congélateur et ensuite au frigo pendant 5 jours. Donc ça, ce sont des protocoles que les immunisateurs suivent, quel que soit le nombre de personnes qui manquent leur rendez-vous ce jour-là. On n'a jamais plus de 5 ou 6 doses dans une fiole à la fin de la journée. Du Winnipeg Free Press, Larry. Question inaudible. Question inaudible. Merci pour ça, Larry. Et je sais que le docteur Hussein et le docteur Atwal et le Premier ministre ont été très clairs que ce n'est pas le moment de faire des voyages non essentiels. Et on s'attend à ce que ces personnes respectent la loi et respectent les ordres de santé publique. Quand ils reviennent chez eux, il faut qu'ils s'isolent en fonction de ces ordres. Question inaudible. Question inaudible. À l'heure actuelle, on ne va pas terminer sa nomination, mais le Premier ministre et le docteur Roussin ont été clairs. Ce n'est pas le moment de faire des voyages non essentiels et on s'attend à ce que les Manitobains qui reviennent chez eux, suivent les ordres d'isolement. Le dernier journaliste cet après-midi de Global News, Marnie. Bonjour à toutes les deux. Je vois que on a les paramédics qui sont inclus dans une des phases, mais pourquoi pas les autres travailleurs de premier plan comme les pompiers, les policiers? Les paramédics, parfois, sont en contact. Par exemple, ils doivent intuber quelqu'un qui est atteint de la COVID-19. Ils fournissent aussi des soins dans les foyers de soins personnels. Ils vont aussi dans les abris. C'est eux les fournisseurs de soins primaires pour certains abris et résidents dans ces abris. Donc les paramédics, parce qu'ils font partie de ce système de réponse, ils font partie de cette catégorie. Et j'aimerais retourner à une autre question. Dans les plans, ça ne descend que jusqu'à l'âge de 18 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les enfants ne sont pas inclus et quand est-ce qu'ils seront possiblement inclus? À l'heure actuelle, on est limité par ce qui est approuvé pour les vaccins. Pour le vaccin Moderna, c'est les personnes de plus de 18 ans et pour le Pfizer, c'est pour les personnes de plus de 16 ans. À l'heure actuelle, on se fonde sur les vaccins qui sont disponibles. Si cela change, si les fabricants changent leur ligne directrice, ou si d'autres vaccins sont disponibles avec des catégories d'âge différents, on examinera alors cette situation, on analysera les risques pour ces populations et on prendra des décisions pour savoir où ils se situent quant à la liste de priorités. Merci tout le monde et ceci conclut la réunion d'aujourd'hui. Merci tout le monde.